savez, quand vous dites qu'un projet est carré, automatiquement, ça vous évoque quoi? La structure, l'organisation, le positionnement, la décision, soit quand vous dites oui, soit quand vous dites non. Vous pouvez noter tout ça, hein, si vous découvrez ce symbole. C'est quelque chose qui... c'est votre positionnement. Et ça, vous en avez besoin de ça pour avancer. Et puis, il y a aussi dans ce positionnement tout ce que vous allez mettre en place en termes de stratégie pour que ça fonctionne. Quels sont les savoir-faire que vous devez acquérir? Quelles sont les étapes par lesquelles vous devez passer? Qu'est-ce que vous devez construire? Qu'est-ce que vous devez intégrer comme nouveau comportement? Au début, vous commencez par vous donner des objectifs, ce qui est une très très bonne étape. Mais après, la deuxième chose, c'est qu'il va falloir développer des rituels, c'est-à-dire des comportements spécifiques qui vont vous permettre d'atteindre ces résultats. Et quand vous regardez quelqu'un fonctionner, bien sûr, vous pouvez l'écouter sur ses objectifs, mais observez-le sur ses rituels. Ça va vraiment vous renseigner sur quelle destination il est en train de prendre. Ces rituels, vous avez deux types dans l'évolution des rituels. Il y a ce qu'on appelle les changements importants, qui sont ce qu'on appelle un peu des ruptures de continuité. Vous avez fait le choix, par exemple, de changer de travail. Ça, c'est une rupture de continuité. Vous avez décidé que pour des raisons X ou Y, vous changez de personne. C'est une rupture de continuité. Je parle de changer de personne dans votre vie, hein, par exemple. Vous déménagez. Ça, ce sont des ruptures de continuité. Mais ce n'est pas ça qui va générer le plus gros développement. Ce qu'on a observé, c'est que ce qui va générer le plus gros développement, selon vous, ce sont des micro-changements. Et ça tombe bien. C'est les petites étapes dans lesquelles vous allez vous mettre. C'est la petite chose que j'observe et que j'ai entendue 10 fois ce matin. Qu'est-ce que j'observe que je vais mettre en place? Qu'est-ce que j'observe que je vais mettre en place? C'est Abdelkir qui vous disait ça, vous savez? Qu'est-ce que je vais observer? Et cette idée de progression constante.